quand on consulte l'expertise collective de l'INSERM qui est sortie en 2013 concernant les effets sanitaires des différentes classes de pesticides connus, on n'y trouve pas les néonicotinoïdes. Pourquoi ? Parce que ce sont des produits récents, trop récents, pour pouvoir, dans la durée, tenir compte de facteurs épidémiologiques ou d'observations de cohortes qui permettent de conclure à un effet sanitaire sur l'homme de cette catégorie de pesticides. Alors, qu'en est-il ? Aujourd'hui, ils sont merveilleux. Ils sont très vendus, comme ça a été dit, ils sont les plus efficaces. 100 ou davantage encore fois plus efficaces que le DDT qui a été retiré. Peut-on penser qu'il soit plus efficace sur les insectes, sur les vers de terre, sur les arthropodes aquatiques que sur les mammifères ? Il n'y a pas d'étude clinique qui ait été réalisée là-dessus. On est dans le flou complet. Il y a quand même au Japon des gens qui s'y sont intéressés parce que le Japon est très exposé par une utilisation massive, notamment du gaucho, sur les fruits, sur les légumes et sur le thé. Ça passe dans les arômes du thé, qui ont montré des études cliniques sur des intoxications subaiguës menant à des hospitalisations de sujets qui sortent de ces intoxications au bout de quelques semaines, mais donc dans des conditions d'urgence et d'intoxication aiguë. Mais il n'y a aucune étude à l'heure actuelle qui permette de juger des effets sanitaires à long terme. Et ça, on sait que c'est la grande difficulté, bien entendu, en toxicologie, lorsqu'on sort de l'effet dose et lorsqu'on passe à la notion de dose filée, mais exposition de long terme, et notamment sur le fœtus. Et j'en termine, Monsieur le Président. Il y a des études désormais qui montrent que le mode d'utilisation des néonicotinoïdes permet de ramener à ce qui est le principe actif des néonicotinoïdes, c'est la nicotine. Qui conseillerait ici à une femme enceinte de fumer ? Et les néonicotinoïdes ont exactement le même mécanisme, agoniste des récepteurs de l'acétylcholine au niveau de l'hippocampe. Ils ont exactement, et c'est démontré chez le mammifère, alors bien entendu pas chez l'homme mais chez le rat, c'est démontré que ça a exactement le même mécanisme et que ça conduit à des troubles du développement du neurone chez le jeune rat.